Dans le dernier épisode de Phoenix Wright, Ace Attorney. Le procès continue, même si on peut maintenant dire que le Studio 2 n'est pas relié à cette affaire, même si le témoignage de Kevin Miron peut nous aider à dire le contraire, et on va le savoir peut-être tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff, et nous retrouvons pour notre 25e épisode du Let's Play de Phoenix Wright, Ace Attorney. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé les témoignages de Monsieur Kevin Miron, le jeune homme qui a un sabre, deux sabres, trois sabres, je ne sais pas combien de sabres, qui est fan du samouraï d'acier. Et on est au deuxième témoignage qui s'appelle Ce que j'ai vu et on y allons maintenant. Ouais, j'avais mon appareil avec moi. Mais j'étais scotché dans la scène. Impossible de la quitter des yeux. Le samouraï d'acier, il s'est lancé sur le méchant. Bam! Puis, le méchant n'a plus bougé. Il est trop fort. Le samouraï d'acier, c'est le meilleur. Ok. Ok, je te crois, ma petite. Ah, et c'est tout? Eh bien, c'était plutôt rapide. Mr. Wright, votre contre-interrogatoire. Merci, monsieur, votre honneur. Contre-interrogatoire sur ce que j'ai vu. Ouais, j'ai mon appareil avec moi. Mais j'étais scotché devant la scène, impossible à quitter les yeux. Le samouraï d'acier s'est lancé sur le méchant, bam! Et puis le méchant n'a plus bougé. Il est trop fort, le samouraï d'acier, c'est le meilleur! Bon. Là par contre. Une fois que le méchant est tombé, qu'avez-vous fait, monsieur Kevin? En fait, le combat était tellement intense que j'ai eu peur. Je me suis rentré directement à la maison. Quelque chose ne tient pas debout. Il y a quelque chose dans ce témoignage qui ne me ressemble pas collé. Phoenix, tout ça ne colle pas parce que son témoignage est volontairement très vague. Attaque-le sur les faits, Phoenix. Fais-lui dire ce que tu l'as vu. Donc, vous regardez le samouraï d'acier. Avez-vous regardé le combat du début à la fin? Ouais, bien sûr. Et à aucun moment vous avez tourné la tête? Non. D'accord, alors dites-nous ce qui s'est vraiment passé. Ouais, voilà. Ok, les samouraïs d'acier, il s'est lancé sur le méchant. Ok. Donc c'est d'abord le méchant qui l'a attaqué. Ouais. Ce méchant, quel genre de personne était-ce? Je vous l'ai déjà dit, une personne. C'était une personne. Comment était-il habillé? Je me souviens plus très bien. J'étais trop occupé à regarder le samouraï glacier. Je vois. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et puis le méchant n'a plus bougé. Ok. Pourquoi le méchant ne bougeait-il pas? Eh bien parce que le samouraï glacier l'a traduit en justice. Et comment a-t-il fait ça exactement? Comment il a fait ça? Avec un coup de pied de samouraï, un coup de poing de samouraï. Et un coup du samouraï, une claque de samouraï. Quelque chose comme ça. Il est toujours aussi évasif. Quoi? Ne regarde pas comme ça, papy. Comment était-ce que je devrais m'y prendre? Là, on va insister. Parce que voilà. Kevin. Quoi? Une chose me tracasse. Vous avez dit tout à l'heure ne pas avoir pu quitter la scène des dieux. Ouais, et alors? Pourtant, vous oubliez le principal. Objection! Qu'est-ce que ça veut dire? Le témoin a décrit de façon très claire ce qu'il a vu. Objection! Vous savez très bien, aussi bien que moi, que sa déclaration est très vague. Dites-moi quel genre d'assassin utilise les claques du samouraï! Un speed, let's go! Voici ma version des faits. Kevin, vous avez peut-être vu une partie du combat du samouraï d'acier. Mais vous avez raté la partie la plus importante, le coup fatal! Silence! Monsieur Wright! Comment cela est-il possible? Pouvez-vous expliquer comment il aurait pu rater quelque chose d'aussi crucial? C'est justement la question que je me pose. Phoenix,
Je crois que tu es sur la bonne voie. Réfléchis, pourquoi Kevin n'a pas pu l'avoir à l'apogée du combat? Je te connais, tu peux le découvrir. Walter White, votre réponse. Nous avons établi que ce jeune homme est un grand fan du samouraï d'acier. Pourquoi n'aurait-il pas pu regarder la fin de la... Voilà. Votre honneur, j'ai des preuves. Des preuves? Oui, votre honneur. Pourquoi Kevin a-t-il donné un code? Voilà. Il va me mettre le visage appareil photo parce qu'il a du mal. Voilà. Kevin l'emporte partout, mais il ne sait pas bien s'en servir. Voici la preuve. Qu'est-ce que c'est? Un appareil photo? Le témoin a déclaré qu'il venait de recevoir cet appareil photo. Oui, oui, je suis au courant de cela. Il ne savait pas encore très bien comment il fonctionnait. Je suis également au courant de ça. Ah! C'est exact. Pourquoi Kevin regardait-il ailleurs au moment crucial? Parce qu'il regardait son appareil photo. Il essayait de prendre une photo. Anime Spin Mind Go! Hey! En plein dans le mille, sur comme soup, baby! Oh yeah! Désolé, parce que c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose qu'à la dernière fois, donc je refais la même chose. En plein dans le mille. C'est quoi ton problème, papy? Ça te plaît, d'harceler les petits enfants? Attaqué, harcelé. Bon boulot, Phoenix. Kevin mentait, c'était évident. C'est très malin de réaliser ce qu'il ne pouvait pas regarder, là, à regarder son héros, sans prendre de photos. Bien. Kevin, une seule raison a pu vous détourner les yeux du combat. Vous vouliez tout simplement prendre une photo. Et comme c'était un nouveau appareil, vous ne savez pas encore comment l'utiliser. Et c'est encore comme ça que vous avez raté l'apogée du combat. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, Phoenix, je parie qu'il cache encore autre chose. Puis le témoigner de nouveau. D'accord. Mia ne plaisante pas. D'accord. Mia ne plaisante pas. Oula, pas mal. Votre honneur, la défense souhaiterait que Kevin Miron témoigne de nouveau. Entendu. Kevin, pouvez-vous nous en dire plus sur cet appareil photo? Et pour quelle raison vous n'avez pas pris de photo ce jour du combat? Bienvenue dans le monde réel, bonhomme. Hey Rambo! Bienvenue dans le monde réel, madame! Témoignage, pas de photo. Ouais, t'as raison, papy. Le samouraï d'acier venait juste d'échapper aux griffes du méchant. Alors j'ai pris mon appareil photo pour prendre une photo. Mais l'objectif ne s'est pas ouvert à temps et je l'ai raté. C'est tout ce qui s'est passé. Ouais. Ok. Voyez-vous quelque chose d'étrange dans ce témoignage, Monsieur Wright? Je ne suis pas sûr. Mais je souhaiterais procéder au contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire sur le pack photo. Allons-y. Ouais, t'as raison, papy. J'ai raison sur quoi? Papy? Ouais, je t'appelle papy. Vieux schnock coiffé en brosse. Vieux schnock? Je m'appelle Monsieur Hunter. Et moi, Monsieur le Barbu, je pense. C'est ça que je déteste chez les adultes. Tous des égocentriques. Ok, j'arrête de prendre des gants. Témoins, nous vous écoutons. Vite! Mince. Le samouraï d'acier venait d'échapper aux griffes du méchant. Alors, vous avez vu le début du combat? Ouais. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Je crois que le samouraï d'acier se déplaçait bizarrement. Se déplacer bizarrement. Alors j'ai pris mon appareil photo pour prendre une photo. Ok. Se déplacer bizarrement, en gros, il traînait la jambe quoi. Pourquoi n'avez-vous pas pris cette photo? Mon appareil photo est tout plein de boutons. J'y comprenais rien. J'ai essayé de prendre une photo. J'ai vraiment essayé. Hein. Mais l'objectif ne s'est pas ouvert à temps et je l'ai raté. Ok. Quand l'objectif s'était ouvert, qu'avez-vous vu? Une personne au sol et le samouraï d'acier. C'est tout ce qui s'est passé. Ouais. C'est tout. Ah ouais. Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas pris de photo. Moi j'en aurais peut-être quand même pris une.
une fois l'objectif ouvert. A-t-il vraiment pris aucune photo, même pas une? Ainsi, c'est davantage. Non, il aurait forcément pris une photo. Il doit y avoir quelque chose là-dedans que je ne puisse utiliser. Kevin! Écoutez-moi, Kevin Miron. Je sais exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez pris une photo. Eh! Dans le mille. Comment tu sais ça? J'ai le pouvoir de lire vos pensées, monsieur Kevin Miron. Wouah! Je me sens en pleine forme, Sherlock Holmes, baby, yeah! Ouais, ouais, c'est vrai, j'ai bien pris une photo. Vous pourriez peut-être témoigner de nouveau pour nous en parler, Kevin. J'ai pris quelques photos, mais c'était trop tard, alors je les ai effacées. Est-ce que c'est dernier? Ouais, c'est dernier statement, ok. Là, c'est simple. C'est simple parce que voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il nous dit. Alors là, justement, je ne parle pas parce que voilà. Mais je vous explique. Le principe, c'est qu'il a dit en gros que il avait effacé ses photos. Sauf que il a quand même un album photo avec toutes ses photos. Et je comprends pas pourquoi il les effacerait, quoi. Il y a quelque chose, c'est normal, quoi. C'est pas normal qu'il les ait effacés. Donc là, Chemin vers la gloire contient les photos de tous les combats reportés par Samurai Inachi. Objection! Kevin! Quoi? Mince alors, chaque fois que tu dis Kevin, c'est pour me chercher des noises. Je voulais juste vous remercier de m'avoir donné ceci l'autre jour. Hein? Oh, c'est vrai? Qu'avez-vous... D'ailleurs, que m'avez-vous dit ce jour-là? Je vais à toutes les représentations en live. Je prends toujours une photo quand le samouraï d'acier porte le coup de grâce. Bam! Je les ai toutes. J'en ai raté aucune. La collection parfaite. Kevin, avez-vous oui ou non pris une photo du samouraï d'acier victorieux devant son ennemi? Si c'est le cas, j'ai du mal à croire que vous l'ayez effacé. Ne l'auriez-vous pas gardé pour l'ajouter dans votre album? Anime Spinline, let's go! Monsieur Wright, cet album, de quoi s'agit-il exactement? Il porte le nom Chemin vers la gloire. C'est une collection de photos du samouraï d'acier, toutes prises par Kevin Miron. Il prétend qu'il s'agit de la collection complète de toutes les victoires du samouraï. Je vois, je vois. Ne trouvez-vous pas ça surprenant, monsieur Wrightrunner? Parmi toutes ces photos du samouraï d'acier, aucune n'aurait été prise ce jour-là? Silence, silence, silence! Monsieur Wright, pouvez-vous expliquer votre. Pouvez-vous fournir une explication? Si Samouraï d'Acier venait à vaincre son adversaire, je suppose que l'on peut voir une photo de cette victoire en cet album. C'est effectivement ce que je pense, votre honneur. Non, attendez! Ce n'est pas possible! Phoenix? Je crois que nous venons enfin de découvrir la vérité. Et quelle vérité? Mia, on est tombé bien sûr? A-t-il vraiment? Oui. Je suis certaine de ce que tu penses, ce à quoi tu penses exact. Dis-leur, Phoenix, dis-leur toute la vérité. Monsieur White, veuillez dire à la cour ce qui se passe, je vous prie. Pourquoi n'y avait-il aucune photo du jour du mort dans l'album? Pourquoi ce jeune garçon avait-il effacé les photos qu'il avait prises? Il n'a pas pu les effacer par erreur. C'est pas logique. Les photos étaient floues. Non, parce que la personne était au sol. Donc, on peut dire que la seule explication possible est que le samouraï d'acier a perdu son combat. Je ne vois qu'une seule raison possible, Runner. Le samouraï d'acier n'a pas remporté la victoire. C'est la raison pour laquelle Kevin a effacé ses photos. Vous voulez dire que le samouraï d'acier a perdu? Eh bien, Kevin, est-ce que je me trompe? Dites-nous la vérité. Le méchant a vaincu le samouraï d'acier. Ça va pas la tête? Non! C'est impossible! Le samouraï d'acier ne perd jamais! Il perd jamais contre ses adversaires, il est invincible! Votre honneur, le témoin vient de tout nous dire avec ses propres mots. Il existe une raison pour laquelle
qui l'a poussé à mentir, raison pour laquelle il a menti, et dire qu'il n'avait pas pris ses photos. La raison pour laquelle il a effacé ses précieuses photos. Pour Kevin, il est inconcevable que le samouraï d'acier puisse perdre un combat. Toutefois, Kevin a été témoin de l'impossible. Il a assisté à la défaite du samouraï d'acier. Mais le fait de l'admettre aurait anéanti tout ce en quoi il croyait. Mais le fait de l'admettre aurait anéanti tout ce en quoi il croyait. C'est la raison pour laquelle il a menti et déclaré que le samouraï d'acier avait gagné. Et on va s'arrêter là. Beau cliffhanger, n'est-ce pas? Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 26. C'était TGF, stay tuned!